17. Nous quittons le port d'Ambraich pour rejoindre Colonia de San Jordi. Et avec cette navigation, nous aurons complété totalement le tour de toutes les îles des îles des Baléares, c'est-à-dire Formentera, Ibiza, Majorque et Minorque. Et là, on aura fait le tour complet de tout. Donc là, on retourne sur San Jordi pour passer 2-3 jours et retrouver un ami, notre ami Claude. Claude, qui va se reconnaître sur la vidéo, Claude de Melun. De Melun, mais qui vit aussi une grande partie de l'année à Majorque. Donc, nous l'avons vu fin août. Et là, on va le retrouver tout à l'heure, enfin, de ce soir ou demain, on va voir. Et puis, dans quelques jours, on va amorcer la descente de retour vers le continent. Donc là, on quitte hein, le port d'Ambraich. Bon, bah, port correct. Ville aussi très touristique, hein, très touristique, on peut dire. Bon, on va arriver, on va voir, normalement on va avoir avant de près. On va avoir avant de près aujourd'hui, donc on va sans doute faire de la voile, parti. Ce qui n'est pas plus mal. Ça va agiter un peu. Quand est-ce qu'on va hisser la voile? Ça va agiter un peu là. Mais je vais râler un petit peu. Elle adore la gîte. Hein. Donc, j'aurai une raison de râler au moins. On fait la navigation en fonction du vent, des vagues, des courants. Et de moi. Et en fonction de sa vie. Donc c'est beaucoup de paramètres. Hein. Et là, le paramètre de tous les autres, on les a sur fichier grip. Je n'ai pas toujours les paramètres de Saline sur fichier informatique. Hein. Non, mais je peux prendre en grippe. Allez, à plus tard. Bon, bah, nous sommes sous voile, au près, très serré. 8 nœuds de vent. On appuie un petit peu avec le moteur, parce qu'on ne veut pas arriver trop tard. Donc on appuie légèrement, ça nous fait maintenir un cap très serré et on ne perd pas de temps parce que on est mi-octobre et les jours raccourcissent, donc on n'aime pas arriver dans les calas ou dans les marinas quand il fait sombre. Donc là on va passer un peu plus loin la baie de nouveau la baie de Palma sans y rentrer. On y rentrera au retour et on profite aujourd'hui qu'on ait un vent favorable parce que demain c'est le vent complètement dans le nez, donc on ne peut pas se dire on va faire ça en deux jours, non, on fait ça en une journée et on va probablement tirer des bords. Alors là on est dans un bassin de navigation des plus intense de Méditerranée et on est entouré. D'habitude quand on navigue on est souvent seul. Alors là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et plus en plein 10, une dizaine, vingtaine de voiliers autour de nous. Alors pratiquement tous hein, des voiliers de location, c'est-à-dire des gros voiliers, des 45 pieds. Loués par des familles ou des groupes qui sont en général entre 8 et 10 personnes sur le bateau. Ouais, c'est principalement ce qu'on rencontre. Et là, on rencontre peu de navigateurs comme nous, des couples de retraités. On en rencontre beaucoup moins là. C'est surtout ici, les bateaux de l'eau. Du soir. Nous avons encore quelques milles à faire.
voir hein. Le mouillage, ça bouge. On est à 100, on est à 100 aujourd'hui et ça bouge. Il est 8h30. Ça bouge. On fait du solide ce soir parce qu'on a navigué, on a besoin de manger. Et demain matin, on va déjeuner chez notre copain.